Mad Max, why don't you? I'm calling Mad Max. Show yourself out, man. Call them Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max. La radio des chiens de la cax. De quoi le pays a besoin aujourd'hui? Il a besoin d'ordre, bon sang. 35 heures de trop. Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax. Et c'est parti donc pour la lecture. Donc on va lire un premier tract donc qui a été qui s'appelle l'État assassine et qui a été donc comme son enfin comme marqué un peu en chapeau du tract qui a été distribué dans les manifestations qui suivirent l'affaire de Montrouge. Donc du 6 mai 84 et voilà et c'est quoi l'affaire de Montrouge? C'est quoi l'affaire de Montrouge? Si tu peux nous faire un petit topo, petite présentation, PowerPoint. Que s'est-il passé à Montrouge en 84? À Montrouge. Le 25 mars. 8h du matin à Montrouge. Et là, c'est le drame. La jeune Agnès monte dans le RER. Romain est un enfant de 26 ans sans histoire. Peut-être que c'est dans le tract, Max, que ça présente cette affaire. Shit. Boy. Shit, boy. Que tu pourrais lire. Peut-être commençons à lire le tract. Bon, commençons à lire le tract. Ça sera sûrement un peu développé dedans. Mais en gros, l'idée, c'est que ce tract, il fait plus ou moins suite à... Enfin, il fait écho et référence à ce qui se passait, notamment donc, dans les banlieues dans les années 80, donc, suite notamment aux émeutes des Minguettes au début des années 80. 81, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Qui est donc une des premières émeutes de banlieue. Enfin, dans ce, si on englobe ça dans une espèce de terme déterminé un peu large, comme quoi. Telle, quoi. Une des premières émeutes de banlieue, voilà. type 2005. Et c'est les Minguettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les Minguettes, donc c'est à Lyon. Et donc il y a d'ailleurs un texte des Os Cangaceros qui s'appelle Minguette Blues que on vous recommande de lire qui parle de ces émeutes là, qui est un texte un peu d'analyse et de retour dessus. Et donc, suite aux émeutes des Minguettes, en gros, y a la marche pour l'égalité contre le racisme qui est lancée donc, par diverses tendances plutôt la un peu... La marche des peurs ? Non, justement. C'est tout le sujet de ce tract, en partie. Mais c'est une marche qui est lancée par des personnes issues de des trucs plus ou moins associatifs, en gros, des Minguettes, qui vise à qui est en gros la marche, la première marche antiraciste entre, même si du coup il y a un peu un débat là-dessus dont on va parler un peu ensuite, mais qui est donc lancé en 83
Et justement, en 84, il y a donc la marche des beurs qui est en gros plus ou moins la récupération de cette marche pour l'égalité et contre le racisme. Ah non, ou alors, attendez. Oui, c'est ça. Qui a été récupérée sous le nom marche des beurs, en gros. Et donc par justement le PS et la gauche de l'époque. Bah, qui a fait SOS Racisme. Qui a fait ensuite SOS Racisme, exactement. Et donc c'est un tract qui s'inscrit un peu dans cette période. Donc je pense que l'affaire de Montrouge, ça doit être une affaire de meurtre raciste à Montrouge à l'époque. Et voilà. Bon, en tout cas, enfin, je laisse Kill nous lire. Non, c'est Mage nous lire. Ce tract a été distribué dans les manifestations qui suivirent l'affaire de Montrouge, 6 mai 1984. Il nous a paru souhaitable de le joindre à ce dossier, même si certaines propositions nous paraissent un peu fantaisistes, il reflète néanmoins un état d'esprit réaliste sur les questions en débat. Contre le racisme, lutte des classes. Au moment où l'État colle au mur la première génération d'immigrés, Talbot, Citroën, Expulsion, et traque la seconde dans les rues de la métropole, les sponsors du misérabilisme pro-immigré refont surface. Quoi de plus normal ? Ils ont besoin de renifler la misère pour survivre en tant qu'association, parti, groupuscule, etc. Ils disent « Un tel est mort, assassiné par les flics, c'est d'autant plus dégueulasse qu'il n'était pas un voyou, qu'il avait du travail, une femme, une voiture, un mec bien quoi. » Assez d'hypocrisie. Les flics tirent parce que notre comportement, notre manière de vivre, de sortir, de refuser l'ennui, dérange le couvre-feu instauré dans les quartiers. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour échapper aux 40 heures par semaine, soumis aux lois du marché du travail, à l'esclavage qui est la situation que l'on nous réserve dans cette société. Ceux qui n'ont pas compris que le vol et la délinquance sont l'unique manière de survivre ici pour la jeunesse, ou plutôt l'unique choix, à part l'usine, ceux-là forment déjà autour de nous la nouvelle police. Celle qui crie « non à la provocation » quand les flics rentrent dans la manif pour y retirer la seule banderole qui les incriminait, confère manif de Montrouge. Provoquer ou ne pas provoquer, surtout ne rien faire ou seulement réclamer justice à la justice qui légalise les crimes, à celle qui distribue la peine de mort d'ennui, allongeant des dizaines de mois de tôle aux déviants que nous sommes. Quel racisme ? Jeune française ou immigrée, est-ce qu'une balle de 357 fait la différence de Gennevilliers à Montrouge, des HLM pourris aux cités de transit, tous dans la merde ? Devant la caisse du supermarché, quelle différence y a-t-il quand on n'a pas un rond ? Ils font du racisme une histoire de couleur de peau, d'individus contre d'autres individus, vidés de tout contenu, comme si on traitait de la même façon un beurre bourré qu'un beurre prol, un beurre prol, comme si un bourge français et un prolo français avaient les mêmes droits, comme si le droit de vote légitimait en soi l'existence de classe sociale. Ce n'est pas le fait d'élire librement ses maîtres qui supprime la notion de maître et d'esclave. Citation. Mes droits ? Même droit ? Quel droit ? Le droit de se faire enculer comme les sidérurgistes dans l'Est aujourd'hui, le droit, la justice, la légalité, les capitalistes en font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, et pour l'instant, nous ne pesons que le poids de nos larmes. Nous sommes valeurs, marchandises. Quel droit va-t-on nous donner ? Ceux qui nous feront accepter cette vie en nous donnant l'impression d'y participer ou d'en tirer un quelconque bénéfice. Quel intérêt y a-t-il eu à la marche pour l'égalité ? Sait-on seulement que cette marche est née du désir de l'État de pacifier les mains guettes en donnant quelques responsabilités précises aux jeunes qui paraissaient les plus agissants dans le terrain ? Sait-on seulement que, comme dans d'autres endroits, il a fallu que l'État investisse, par le biais des travailleurs sociaux et des associations qu'il contrôle, pour enrayer les révoltes légitimes du ghetto lyonnais, pour enterrer les luttes qui commençaient, occupation des maisons vides, autoréduction des supermarchés, et proposer cette marche pour se donner un gage de bonne conduite. À titre d'exemple, la marche fut reçue à Colombes et Nanterre par les municipalités qui refusaient un quelconque dialogue avec les jeunes des cités sur leurs problèmes. L'État assassine. Les assassinats sont présentés comme des bavures commises par de mauvais flics, alors que nous savons que c'est la logique même de l'État, en défendant l'ordre bourgeois, de faire régner la terreur sur les prolétaires et de manière spécifique sur les immigrés. Voir la déclaration de Defferre dans les temps modernes qui assimilent l'immigration au fou d'Allah.
Quelle réaction ? Ils essaieront d'entraîner les réactions dans les marches silencieuses. Dans des marches silencieuses. Ouais, dans des marches silencieuses feront. Ils essaieront d'entraîner les réactions dans les marches silencieuses, feront signer des pétitions, voter aux élections, et rien ne changera parce que de toute manière, nous ne voulons pas vivre comme eux, ni nous intégrer comme le propose la mère du foie. Briser nos ghettos, détruire les cités, les foyers, frapper la bourgeoisie, l'État et tous ses gestionnaires, les communes, revendiquer nos actions, organiser le sabotage de l'économie, vol, squat, autoréduction. Réfléchir et se battre à partir de nos propres forces pour arrêter le massacre des jeunes, répliquer à la terreur des flics, coup par coup et à chaque meurtre, suivant notre degré d'organisation. Occuper des lieux sur les quartiers. Lutter contre l'expansion de la poudre qui détruit toutes les tentatives de regroupement en introduisant un rapport de dépendance physique et économique qui ne fait que reproduire l'ordre social existant. Se lier avec d'autres réalités, d'autres endroits où les gens luttent pour changer radicalement la vie et faire payer cher cette vie sans joie qu'ils ont organisée pour nous. Vive la vie, mort à l'État. Belle conclusion. Belle conclusion. Ouais. Ce que je trouve assez intéressant, du coup, avec ce texte, c'est justement cette un peu opposition qu'il fait à la gauche et au même de manière générale au récupérateur déjà de l'époque en posant cette question là des meurtres racistes sur une perspective de confrontation avec l'État quoi. Par ailleurs la gauche qui est au pouvoir à l'époque puisque c'est sous Mitterrand et qu'il y a justement déjà ce truc là de revenir sur cette marche pour l'égalité et contre le racisme justement en critiquant cette récupération qui est déjà une première récupération en gros ce qui est estimé comme une première récupération des émeutes des Minguettes puisque justement lancée par ces milieux là de l'associatif, mais après il y a un truc qui est que la marche des beurs, enfin plutôt le, en gros du coup avoir déposé le label entre guillemets marche des beurs sur cette marche pour l'égalité contre le racisme par la gauche, notamment avec la création de SOS Racisme. C'est une genre de récupération supplémentaire d'une première récupération qui pouvait être en soi porter quelque chose d'intéressant ou de subversif à l'époque. Et effectivement, j'ai vu un commentaire passer, mais ouais, effectivement, la marche des beurs donc commence à Marseille le 15 octobre 83. J'ai regardé également. Et du coup, avec des gens qui venaient des Minguettes, donc quel quartier où il y avait eu les émeutes en 81.